Begin after eight taps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salut les cadavres, bienvenue dans cette vidéo de Noël, dans le couloir qui résonne un petit peu. Je suis désolé s'il y a de l'écho, j'essaierai de le supprimer autant que possible, mais on est un peu obligé de faire avec parce que je ne me vois pas bien en train de vous présenter ça assis à mon bureau. Voilà le dernier né, et quand je dis dernier, c'est un petit peu à dessein parce que ça va très certainement être le dernier costume que je fais. Alors pas par manque d'envie, par manque de place. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, entre les deux costumes que j'ai fait avant celui-là et puis celui-ci, je sais plus où les coller. Il y en a en fait un petit peu partout autour de moi, là. En plus, celui-là, bah, il a la palme du pas discret, hein. Je pense que je vais le laisser un petit peu à vie sur le mannequin. Je m'habille pas non plus comme ça tous les jours, faut dire ce qui est. Il est terminé. Ça a pas été sans mal, ça a été compliqué. J'en suis assez fier, je suis fier du rendu, je suis fier des petites astuces que j'ai trouvées pour le réaliser. J'ai mis 15 jours, alors pas 15 jours, une heure par jour, hein. J'ai mis 15 jours, plusieurs heures par jour, et voire même plusieurs nuits par jour pour certaines pièces. Il y a pas mal de choses à voir, pas mal d'astuces. Je vais détailler tout ça bout par bout. Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, c'est une tentative humble de faire le costume de Haldir à la bataille du gouffre de Helm. Et ça a un avantage assez particulier, c'est que il existe la véritable armure d'Haldir et que des gens ont été assez sympathiques pour la prendre en photo, exposée sur un mannequin. Photo de très bonne qualité, et du coup ça me donne une base pour faire le costume hyper précise. Alors, il n'est pas identique à 2000% parce que je ne travaille pas chez Weta Workshop, hein, je travaille chez moi, ce qui est moins sympa. Et mais voilà, c'est le rendu que je voulais. Il est, je trouve, hein, qu'il est assez équilibré visuellement. Ça fait pas bizarre, curieux, malvenu, grotesque. On va voir ensemble tout ce que j'ai mis en place du plus simple, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment très très simples, au plus compliqué. Je vous propose de balayer d'un coup et d'un revers de la main les trucs vraiment les plus simples. Je vais aller récupérer certaines parties. Alors, pour que ça tienne, il y a des aiguilles qui sont plantées pour pas que la cape se casse la figure. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais les mannequins de couture qu'on achète dans le commerce ont la taille mannequin, et je suis pas de la taille mannequin. Donc certaines pièces d'armure sont faites pour moi, et bien sûr le mannequin, elles sont un peu grandes, donc il a fallu que je les cale comme je peux. Premier truc hyper facile à faire, voilà. Alors je vérifie sur le retour que vous voyez bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est la cape, ok, merci, on a compris. À la base, c'est un rideau. C'est un rideau effet velours. Un velours gris, très elfique. Velours gris, qu'est-ce que j'ai fait avec ce rideau? Ben, j'ai coupé en demi-cercle. Hein, on voit assez rapidement où j'ai coupé le demi-cercle. J'ai cousu avec une machine à coudre pour que le retour soit bien droit et bien cousu. Et j'ai gardé deux bretelles. Deux bretelles au bout desquelles il y a, on les voit, alors je vais les mettre là pour qu'on les voit un petit peu, voilà, il y a bah, ces fameux clips de ceinture attachés à un ruban. Alors c'est très grossier, on s'en fout, c'est dans le dos, c'est caché par la cape. Et voilà le principe d'attachement de cette petite bestiole. On le met sur les épaules, on le met dans le bon sens. On prend les clips, on les passe dans le dos,
et on les attache. Voilà, vous voyez, plus con que ça tu meurs, ça tombe droit. Le but c'était quand même que ça passe par-dessus l'armure, que ça retombe derrière et que ça soit facilement accrochable, décrochable avec l'armure sur le dos et que ça ne pèse pas sur l'armure. Parce que ce truc, c'est super fragile est un grand mot, mais on va dire que c'est pas une structure solide. Et que du coup, il fallait surtout pas que le poids de la cape repose sur la mousse. Sinon, à terme, ça aurait un petit peu tout foutu en l'air. Donc, très facile à défaire. Très facile à enlever. Une cape. Concernant le bas de la cape... Petit détail qui a son importance si vous en avez besoin. C'est du demi-cercle. Je ne vois plus. Je ne sais pas si ça se voit bien. Je vais essayer de vous le montrer autant que possible. Voyez, vous voyez un petit peu. C'est pas plat. C'est. Si vous faites une cape et que pour ça vous utilisez des rideaux ou des tissus rectangulaires, pensez bien à ne pas conserver le bas droit. Parce qu'une fois que vous l'aurez sur le dos, ça va faire des tombées de tissu pas très sympathiques. À chaque fois que vous arrivez en bas de la cape, vous faites bien l'arrondi pour que la cape tourne autour du corps, tout simplement. Ça, c'est pour la cape. Facile. Qu'est-ce qui a été facile? Qu'est-ce qui a été facile? Alors, je ne vais pas l'enlever parce que ça va être un... J'ai beaucoup de cheveux, excusez-moi, mais... ça fait un petit moment que je n'ai pas été chez le coiffeur. Je vais pas l'enlever parce que ça va être un sacré bordel à enlever. Mais dans la famille facile, il y a la jupe. La jupe là, vous voyez, hop. C'est quoi cette jupe? C'est une nappe, achetée vraiment, vraiment pas très cher. C'est une nappe dans les tons brun, marron, avec des motifs floraux, mais discrets, presque un peu japonais, un tout petit peu. Franchement, dès que j'ai vu la nappe à 10 euros, je me suis dit, bon sang, mais ça fait vraiment tissu elfique, seigneur de la forêt, etc. J'ai pris la nappe, je l'ai coupée en deux, je l'ai cousue pour qu'elle fasse un demi-cercle et que devant, ça s'échancre, en fait. Quand vous regardez les artworks et puis là, même l'armure d'Aldir, on voit que sous la cuirasse d'écaille qu'on verra plus tard, parce que, croyez-moi, celle-là, ça pète à la simplicité même, en dessous, il a un surcot, ça doit être un surcot, en tissu, et qui s'ouvre sur le devant. Donc c'est pas une robe, c'est pas une toge, c'est vraiment ouvert en deux. Quand il écarte les jambes, les deux pans de tissu s'écartent. Donc il fallait reproduire ce côté, deux pans de tissu. Et j'ai cousu donc ce demi-cercle, histoire de faire une jupe fendue devant finalement. Et dans le rabat en haut de la jupe, j'ai passé un élastique. Ça a été, mais d'une simplicité biblique, si ça m'a pris 10 minutes, c'est grand maximum. Et je me suis retrouvé avec une jupe à la taille élastique, fendue sur le devant, rigoureusement à ma taille. On va remettre ça en place parce que... Ah si, oula, avant de remettre ça en place. Je vais m'approcher, je vais... Enfin, il faudrait que vous voyez ça. La boucle. Aldir a une grosse boucle qui tient sa cape sur la plupart des photos prises sur le tournage. Cette boucle-là, j'ai failli en faire une fausse à la base. Et puis je suis tombé sur une ceinture. Une ceinture, toujours pareil, hein, 5 euros, 6 euros, quoi. Avec cette boucle-là, qui donc est en métal, elle est en laiton en fait. Et j'ai acheté la ceinture, j'ai viré toute la partie cuir, j'ai gardé que la boucle. Et j'ai accroché à l'arrière de la boucle, juste ici, une tige en métal. J'ai percé, j'ai vissé, enfin j'ai riveté pour être précis. Une tige en métal pour que la cape puisse rentrer dedans, passer par-dessus et ressortir derrière. Et à l'arrière, j'ai cousu un bout de tissu par-dessus, ce qui fait que la boucle est emprisonnée dans ce morceau-là. Et qu'elle ne peut pas tomber. Et puis en plus, ça m'a fait un petit peu de poids sur le devant pour que la cape tienne en place. C'était très bien. Et pareil, ça m'a pris mais trois fois rien de temps.
Donc la cape c'est réglé, bien sûr je n'ai rien prévu pour poser tous les éléments. Ben, je vais le poser là. Ok, cape c'est fait, jupe, surcot, c'est fait. En dessous, c'est un t-shirt noir à manches longues assez classique, mais qui a nécessité quelques transformations. Bon, maintenant, on passe dans le un peu plus compliqué. Alors, soit compliqué dans la réalisation, soit compliqué dans l'idée, mais la réalisation était plutôt facile. Compliqué dans la réalisation, on a le sabre. On a le sabre. Alors, je peux pas l'enlever complètement parce qu'il est accroché à la ceinture là. Par contre, je peux l'enlever de derrière. Hop là, voilà. Le sabre, alors est-ce qu'on le voit? Ouais, ça va. On le voit, je vais le mettre comme ça. Ou comme ça. Hop, voilà, je vais le mettre comme ça pour que vous le voyez bien. Le sabre, c'est parti d'une épée en plastique. Dont on voit le manche là. Qui coûte 1 euro dans les magasins de farce et attrape quand vient le temps d'Halloween. Je l'ai acheté, je l'ai passé au pistolet à chaleur jusqu'à ce qu'elle fonde. Alors, c'est pas qu'elle fonde, c'est qu'elle se ramollisse vraiment. J'ai tiré dessus pour l'allonger. Alors, en faisant ça, elle est plus utilisable. Hein. Mais une fois allongée, je me suis dit qu'elle allait servir de base, de structure, pour que je colle la mousse dessus. Tout ce que vous voyez là, c'est de la mousse. Il y a une forme ici en forme de défense d'éléphant. Hein, vous voyez que si je le mets sur mon t-shirt là, ça remonte ici en pointe. Donc j'en ai découpé une et puis une deuxième pour faire l'arrière évidemment. Je les ai passées au pistolet à chaleur jusqu'à ce qu'elles se gondolent. Ce qui fait que du coup ça m'a donné vraiment une enveloppe avec un morceau bombé de ce côté-là, un morceau bombé de l'autre côté. Il ne restait plus qu'à coller tout ça sur la lame de plastique, à faire en sorte évidemment que tout ça se rejoigne. Et la petite astuce que j'ai trouvée, c'est comme de toute façon il n'y a qu'un seul côté qui va se voir à la fin, j'ai fait une des défenses d'éléphant plus longue. Pourquoi plus longue? Pour que les bords passent par-dessus les bords de l'autre défense d'éléphant. Et que du coup, j'ai pas à m'emmerder avec le raccord. Ça fait une finition très fine. Une finition très fine, c'est bien dit ça. Ça fait une finition très très mince au niveau des bords du fourreau, juste parce qu'en fait, si je le mettais dans l'autre sens, on verrait que la partie arrière est plus petite et donc cachée derrière. Une fois que ça a été fait, j'ai récupéré 2-3 petites bandes de mousse. Alors quand je dis mousse, c'est mousse de tapis de sol de piscine, hein, c'est mousse 1 mm d'épaisseur, grosso modo, 1 mm et demi. J'ai récupéré des bandes très très fines que j'ai collées ici en forme d'arabesque, petit à petit, avec des points de colle pistolet à colle, pour bien maîtriser l'arabesque et que ça ait une bonne tête en fait. Et j'ai fait en sorte de ne pas prendre des morceaux de mousse qui soient trop épais. C'est pour pas qu'il y ait un relief trop prononcé et qu'on ait vraiment l'impression qu'il y a un filigrane doré incrusté dans le pommeau. Dans le fourreau. Fatigue-moi. Sur la fin, ici, bah, c'est un morceau de mousse qui enveloppe le tout. Alors si je le mets de profil, je mettrai des gros plans, je pense que ça sera beaucoup plus simple. Donc il y a un morceau de mousse qui enveloppe ici la fin, comme pour faire une pince en métal, comme il y a parfois à la fin des fourreaux, qui fait non seulement décoratif, mais qui fait aussi fixation. Sur le milieu du fourreau, ici, bah, très simple dans la conception, encore une fois, il s'agit d'un morceau de mousse qui est découpé en forme d'ovale, à peu près, et qui est replié devant, derrière, pour faire comme s'il y avait une ceinture, comme s'il y avait un holster qui tiendrait le fourreau. Et dessus, je me suis amusé à la main à faire des petites arabesques un petit peu elfiques. Et je l'ai fermé ici avec un bouton. Un bouton acheté en mercerie, qui avait plutôt une bonne tête, qui traînait dans ma boîte à rabiot depuis des années, et qui a enfin trouvé sa place. Sur le haut de la corne d'éléphant principale, j'ai découpé en mousse un truc qui ressemble à, alors non pas une garde, puisque les épées elfiques n'ont pas de garde, mais une ornementation qui fermerait le fourreau. D'ailleurs, vous pouvez voir que
Du côté où on regarde pas, eh ben, il y en a pas. Il y en a que de ce côté-là. Ça m'a évité d'avoir à faire l'autre côté. Ça m'intéressait pas des masses. Et en plus, comme ce côté-là, le côté vide là, frotte souvent contre l'armure, ça évite d'avoir des points de frottement, des points d'usure qui viendraient sur le bas de l'armure. Du coup, c'est complètement lisse de ce côté-là. Ça n'est décoré que du côté visible. Et j'ai mis dessus trois petites gemmes achetées, franchement, je crois que la boîte de 30 ou 40 gemmes était à 1 euro. Et j'en ai pris des suffisamment ternes. Je n'ai pas pris des oranges ou des bleus hyper flashouilles. C'était pour limiter le côté joaillerie de petite fille. Vous voyez, des trucs de serre-tête princesse à la con. Le fourreau étant terminé, il me restait la garde. Et le problème, c'est que la garde de l'épée en plastique, ben, comme toutes les épées en plastique, elle était bien droite. Même traitement que pour la lame, je l'ai chauffée jusqu'à arriver à la tordre pour lui donner l'aspect incurvé qu'ont les gardes d'épée elfique. Et si vous regardez le cabochon, le bouchon qui est au bout, qui remplace le pommeau d'épée en fait, il est tout le temps orienté dans le sens inverse de l'inclinaison de la poignée. Ce qui donne un petit côté S, un petit côté je remonte à la fin pour rééquilibrer l'arme. Je peux bien évidemment pas sortir l'épée du fourreau, le fourreau est complètement décoratif. J'ai ajouté deux morceaux de cuir. J'ai acheté un blouson en cuir. Vous savez, les vieux blousons qui sont plus à la mode, dans une friperie, j'ai acheté 15 euros. Et ça me donne du cuir à volonté, à découper dedans, en lanière, en carré. C'est juste super pratique. Donc là, j'ai récupéré deux lanières, je les ai cousues, histoire que ça soit bien propre. Et j'ai passé des petits fils de laiton qu'on achète dans les magasins de décoration pour faire des tables d'anniversaire et des boules de Noël et des conneries comme ça. J'ai pas récupéré. J'ai coupé des fils de laiton ici pour faire comme s'il y avait une sorte de petite accroche. Et j'en ai fait de l'autre côté, mais de manière beaucoup plus entourée, beaucoup plus elfique et beaucoup plus décorative. De ce côté-là, il y a une boucle. Le cuir fait une boucle. Et il passe dans la ceinture. C'est pour ça que je ne peux pas l'enlever. De l'autre côté, voilà ce qui se passe. Je ne sais pas si. Ouais, ça ne se voit pas des masses, je suis un peu loin. Pareil, je ferai des gros plans. Hein. Je vais mettre ma main devant. En fait, j'ai pas fait une boucle pour pouvoir moi-même le passer derrière dans la ceinture et l'enlever quand j'ai besoin. J'ai juste fait un V, on va appeler ça comme ça, dans lequel j'ai glissé du fil de fer que j'ai tordu. Ce qui fait que ma boucle de ceinture est comme ça. Voilà, je vais mettre ici. J'ai qu'à passer ça dessus. Et en fait, ça c'est plaqué contre mon dos. Et le truc ne se tord pas. Ça me permet de le placer quand je veux, derrière la ceinture. Et hop, ça tient. La fermeture était franchement très chouette. Je suis assez content du résultat final. En fait, c'était facile à faire parce que l'idée est venue de suite. Je ne me suis pas trop torturé. Les parties de mousse que je découpais s'emboîtaient plutôt bien et j'avais une idée précise du résultat final. Et tout ce que je réalisais donnait corps à ce résultat final. Au niveau de la couleur, c'est du marron. C'est du marron mélangé avec un peu de rouge pour qu'il ait un peu plus de chaleur. Éclairci avec un petit peu de jaune et à la fin, le fameux cirage marron que vous passez et que vous essuyez, qui donne cette luisance que j'aime énormément. Et j'ai fait la même chose sur le pommeau, enfin, vous voyez, histoire que toute l'épée soit relativement raccord. Ça a frotté un jour, ça va partir. Enfin bref, l'épée, ça a quasiment été un des premiers éléments finis. Ça a été ma première tentative, je me disais, bon, si ça marche, si l'épée est sympa, bah, je ferai peut-être le reste. Le deuxième élément, ça a été le pectoral. Le pectoral ici, quand on regarde les photos de Aldir, on se rend compte qu'en fait son pectoral, il est en métal et il est en forme de feuilles de platane, de feuilles de chêne peut-être.
Enfin bref, il y a des ramures et il n'est pas du tout bombé, il y a des vagues. Et faire des vagues avec de la mousse de 2 mm d'épaisseur, c'était pas évident. Je vous cache pas qu'il y a eu plusieurs essais avant que j'arrive à obtenir ce résultat-là. Et je vais vous montrer l'intégralité de ce qu'il y a à savoir. Première chose qu'il y a à savoir, voilà. Voilà comment c'est. Il n'y a pas de arrière. Ce qui est très pratique parce que du coup, pour mettre l'armure, il suffit de passer sa tête et ça se pose sur les épaules. Voilà. Là, je l'ai sur le dos. Tac. Et si on regarde derrière, voilà, ça donne ça. Du coup, il y a une facilité à la mettre et à l'enlever dont j'avais besoin. Ça fait un moment que je me rends compte que les armures compliquées à mettre, où il faut être deux ou trois, c'est pas pour moi. Donner la forme générale à tout ça, voilà comment j'ai fait. Si vous regardez là, vous voyez qu'il y a ces espèces de vagues. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai versé de la colle de pistolet à colle. J'ai mis des gants. Et j'ai pincé la mousse, et j'ai attendu que la colle sèche. Le fait d'avoir pincé la mousse a donné ça. Alors, il faut la pincer à des écarts précis, pour que ça soit joli. J'avais fait au crayon avant le tracé de l'arrondi que je voulais. Si on compare à la véritable armure d'Aldir, on se rend compte qu'en fait, le pli qui est ici, il est bien dessiné jusqu'en bas en fait. Mais moi je ne pouvais pas arriver à ce résultat là. Ce qui fait que le reste du pli, je l'ai fait plus par la peinture, donc un peu en trompe-l'œil. Mais il fallait que les bords de l'armure, eux, soient très très clairement, arrondis. Voilà, qui est ces sortes de gondoles. Et comme la mousse n'aurait pas tout supporté toute seule, vous l'avez sûrement vu, il y a deux tiges en métal. Ces tiges en métal, c'est un cintre. C'est un cintre qu'on vous file en magasin quand vous achetez des vêtements. Je trouve que le métal de ces cintres est très pratique parce qu'il se déforme à la main. Mais il faut quand même forcer dessus. Et une fois déformé, il reste léger et transformable à souhait. J'ai donc récupéré un cintre. J'ai enlevé la petite boucle en haut. J'en ai fait un V. J'ai appliqué ce V sur moi et je l'ai tordu pour que le V épouse exactement mes épaules. Ça a pris un peu de temps, ça s'est pas fait du premier coup. Mais une fois que le V était posé sur moi et que je pouvais bouger sans qu'il se mette à vibrer ou à bouger, j'ai collé dessus la partie en mousse. Et je suis assez content parce que au final, vraiment, elle se met... Vous voyez, une fois qu'elle est sur moi, je peux bouger comme je veux, le truc ne bouge pas. C'est très pratique. C'est vraiment au millimètre. Hein. Hop. Je suis content. Vous voyez qu'à l'intérieur, il y a un truc noir. Et que si je me tourne de l'autre côté, c'est pas un truc noir. Alors, je vais m'approcher. Compliqué. Voilà, là on le voit un peu là. Sur ce bout de tissu qui est collé derrière, de ce côté-là, il y a... comment on va décrire ça? C'est une armure d'écailles, donc il fallait des écailles. Et quand on regarde le costume d'Aldir sur les photos, les écailles ont vraiment un relief. On voit que chez Weta Workshop, ils ont fait les écailles. Du reste, vous pouvez voir qu'elles sont ici aussi. Tout ça, ce sont des vraies écailles que je peux soulever, qui se chevauchent les unes les autres et qui aident beaucoup au réalisme de l'armure d'écaille. J'ai acheté deux sets de table dans un magasin à 3 francs 6 sous. Des sets de table un peu flashy, dorés, quoi, dorés fêtes de Noël. Il y avait deux couleurs différentes, un doré plutôt foncé et un doré très très clair. Et en fait, j'ai découpé les sets de table en bandes. Et une fois qu'ils étaient découpés en bandes, j'ai découpé la forme des écailles dessus. Et j'ai cousu rang d'écailles par rang d'écailles. Alors là, j'ai cousu sur le t-shirt. Là, j'ai cousu sur le morceau de,
de tissu jusqu'à obtenir exactement la longueur qu'il me fallait. Et pourquoi pas plus? Ben parce que c'est juste un petit peu chiant à faire. Donc voilà, j'ai cousu le strict minimum d'écailles sur un bout de tissu et sur le t-shirt. Et j'ai acheté un galon doré. Alors le doré était très violent, donc je l'ai peint. J'ai pris de la peinture acrylique dorée et du noir, donc j'ai fait un doré plutôt sombre. Et j'ai repeint par-dessus le galon pour calmer un petit peu ce côté Barbie doré. Et je l'ai collé là, histoire que ça finisse l'armure, et que quand je pose l'armure sur le t-shirt, il y ait un raccord entre les écailles ici et les écailles là. Pour faire les reliefs sur le pectoral, quand vous regardez Aldir, il y a dans le métal de l'armure, il y a des reliefs gravés en forme d'arabesques et de fleurs qui tournent, tout ça. Et moi, je ne pouvais pas faire ces arabesques tout seul. On va dire que la mousse, c'est sympa quand on creuse dedans. Vous voyez, faire entrer au cutter et passer au pistolet à chaleur, ça fait un creux, c'est super, c'est sympa. Mais faire un relief, bah, c'était déjà un petit peu plus compliqué. Et je ne voulais pas faire sur l'armure ce que j'avais fait sur le fourreau de l'épée. Mettre une bande qui a trop de relief, en fait. Le problème de ces bandes de mousse, c'est que j'arrive pas à obtenir une finesse d'épaisseur, et que du coup, la bande est trop en relief, et du coup, elle peut accrocher n'importe quoi, et s'arracher au final. J'ai pris un pistolet à colle, un tout petit pistolet à colle, qu'on vend pas très cher dans les magasins de bricolage à 2 balles, et en fait, j'ai dessiné les arabesques, avec un stylo, et j'ai pris le pistolet à colle, et j'ai repassé, en étant aussi régulier que possible, ce qui n'est pas évident, hein. Vous ferez forcément des bourrelets, c'est un peu inévitable, on n'est pas des pros là-dessus. Mais j'ai essayé de limiter au maximum les bourrelets ou les faire disparaître quand je les avais faits. Ensuite, je laisse sécher ce trait de colle. Et je prends la fameuse pâte blanche qui sert à combler les trous, que je commence à manier un petit peu mieux maintenant. Et en fait, j'enduis toute la rainure de colle avec cette pâte-là, je mouille mon doigt et je frotte juste pour combler les trous. Parce que votre boudin de colle, il est plutôt rond, en fait, une fois posé sur l'armure. Et il faut qu'il se fonde un petit peu, et pour ça, il faut colmater les trous qui sont en dessous. Et vous faites ça sur l'intégralité de l'armure. J'ai pris une meuleuse aussi, une petite meuleuse avec ma Dremel, et j'ai légèrement poncé quand vraiment il y avait une grosse goutte de colle qui faisait un bourrelet, pour que ça reste vraiment bien plat. Et au final, on a le rendu que je voulais. Je passe sur le t-shirt parce qu'il n'y a rien de plus à dire, hein. Il y a juste ça comme modification sur le t-shirt. Je vais m'arrêter, alors je vais poser ça ailleurs. Je vais m'arrêter quelques secondes sur ça. Cette partie-là, c'est du cuir. C'est le plastron au final. C'est du cuir que j'ai cousu sur une plaque de mousse qui est en demi-cercle au niveau du haut et qui s'arrête droite en bas et qui descend sous le bras et qui s'attache dans le dos avec un scratch. Coudre le cuir, c'est un peu compliqué. Je vous cache pas que j'ai cassé quelques aiguilles, mais bon an, mal an. La partie centrale, je l'ai cousue à la main. Ça veut dire que vous poussez l'aiguille à travers le cuir, la mousse, le cuir qui est de l'autre côté. Vous sortez l'aiguille, vous la repassez par-dessus pour que le fil entoure le cuir. Et comme ça, vous allez faire une sorte de serpentin qui entoure tout le haut. Pourquoi je ne l'ai pas fait à la machine ? Je ne l'ai pas fait à la machine parce que, ça casse parfois l'aiguille de la machine. Et deux, je voulais un rendu un petit peu artisanal. Le problème des machines à coudre, c'est que le rendu est droit et nickel, et ça pète un petit peu le côté artisanal. Ce que j'ai fait à la machine, par contre, ce sont les côtés. Le côté droit et le côté gauche, je les ai cousus à la machine parce que j'en pouvais plus de coudre le cuir à la main et de faire le tour de toute cette partie qui est assez grande. Et le cuir, eh ben oui, vous l'avez compris, c'est un autre bout de ce manteau en cuir acheté pas très cher parce qu'il n'était plus à la mode. J'ai mis sur le côté des petits ornements en métal. Alors, je ne sais pas si on les voit bien. Je ferai une photo, pareil, gros plan. J'ai pris encore une fois ce,
ce câble en laiton pour faire des décorations à la con. Je l'ai tordu en rond pour faire des belles arabesques. Et une fois que j'ai obtenu une forme qui me plaisait, je l'ai posé sur le cuir. Et j'ai simplement cousu par-dessus à plusieurs points de la forme en métal pour qu'elle tienne bien et qu'elle orne un petit peu, parce que sinon, je vous avoue que le plastron en cuir faisait un petit peu vide. Faut pas se le cacher. Je m'approche petit à petit du plus complexe. Les bras. Alors, les bras, je vais l'enlever pour vous montrer. Voilà. Le bras, enfin, ouais, on est bien d'accord, hein. Ça, c'est le bras, ça, c'est l'avant-bras. Non, ça, c'est l'avant-bras et ça, c'est le bras. Le bras, quand on regarde, la conception n'est pas hyper compliquée. C'est cette mousse, encore une fois, très très fine, découpée dans cette forme un petit peu de je sais pas si j'arrive à l'obtenir, là, c'est fait un peu sombre ici. Voilà, là vous l'avez un petit peu. Vous voyez, avec ces formes de feuilles très, très rondes, avec le pistolet à colle qui dessine dessus pour faire les reliefs, même technique que pour le plastron, hein. Et hop là. Et de l'autre côté, c'est le bordel. De l'autre côté, pareil, vous aurez un gros plan. J'ai pris du grillage. L'arrondi que vous voyez là qui dépasse, je vais essayer de le mettre où est-ce qu'on le voit. Là, on le voit un petit peu. C'est du grillage. C'est deux carrés de grillage, de clôture en fait, qu'on peut tordre à la main, qu'il faut quand même un petit peu forcer. Mais l'avantage du carré de clôture, c'est qu'il est déjà en forme de carré. Alors que si j'avais pris un cintre, il aurait fallu que je trouve un moyen de faire tenir ce cintre pour obtenir ce demi-cercle en fait. Une fois que j'ai eu le demi-cercle en grillage de clôture, j'ai collé la mousse dedans. L'arrondi correspond à mon bras, ce qui veut dire que j'ai qu'à appuyer et ça tient. Tout simplement. Donc aucune accroche, il y a des boutons qui sont cousus sur la manche ici, sur la manche noire, pour que le grillage vienne s'accrocher dans les boutons et ne se barre pas. Et c'est très simple à enlever, très simple à mettre. Ça force juste un peu sur le fil de fer, mais on s'en fout, le fil de fer, il est là pour ça. Il est là pour ça, hein. Il a une certaine malléabilité. Du coup, j'ai qu'à appuyer sur le bras, tac, et ça s'accroche. Plus con que ça, tu meurs. Hop. Ensuite, le gant. Les gants, ça aurait pu être quelque chose de compliqué. Ça s'est avéré quelque chose de très très simple. J'ai appliqué la même technique que j'ai utilisée pour ça. Et j'ai appliqué la même technique que j'avais fait pour le gant droit du cosplay de Lucian. Si vous regardez, on a une épaisseur de mousse courbée pour faire le tour de mon bras. Dessus, il y a une surépaisseur de mousse. Alors, où est-ce qu'on le voit bien? Voilà. Il y a une surépaisseur de mousse en relief qui, elle, est peinte en doré. Et à l'intérieur, le grillage de clôture, le même grillage de clôture. Il y a quatre carrés. Les quatre carrés entourent mon bras. Faut pas que je merde, parce qu'ils ont un sens, voilà. Qu'est-ce que je fais? Je glisse mon bras dedans. Je fais pivoter mon bras. Et c'est bon. Voilà. C'est accroché. Alors si je le mets comme ça, vous allez voir que on voit mon bras. Sauf qu'en fait, mon bras, il a le t-shirt noir. Du coup, et là, pareil, je peux bouger. Le truc ne va pas se casser la gueule. Même bras nu, d'habitude, quand c'est avec le bras nu, ça glisse énormément. Il ne peut pas glisser. Il est enserré dans le truc en métal. Dans le grillage de clôture en métal. Je vais le sortir. Je fais pivoter mon bras et je sors mon bras. Plus con que ça, tu meurs. Je fais vraiment des gros plans parce que là, je vois bien que on voit pas des masses.
Hop là, ça c'est fait. Et ben, il reste plus qu'une chose. Hein. Il reste plus qu'une chose, c'est l'armure du bas. L'armure du bas. L'armure du bas, j'ai passé, en toute honnêteté, un temps fou. Un temps fou, j'ai pas calculé. Je peux juste vous dire que les deux pans d'armure de d'écaille qui habille la jambe droite et la jambe gauche, chaque pan au niveau de la réalisation, donc sans la peinture et sans la fixation, chaque pan m'a demandé à peu près 3h30, 4h. Alors comment on fait ça? C'est rigolo, vous allez voir, c'est super rigolo. On coupe la mousse pour qu'elle fasse le tour de la jambe ici et puis le tour de la jambe là. On obtient deux trapèzes, on va dire, de mousse très très longs. On les met à plat sur une table. On prend un petit morceau de métal qu'on recourbe en forme de U. Un U avec une pointe un petit peu, vous voyez, pas trop U, un peu V quoi. À mi-chemin entre le V et le U. En fait, exactement la forme qu'on veut donner à nos écailles. On l'attrape avec une pince, on le tient bien fort, on allume son pistolet à chaleur, on met le morceau de métal sous la chaleur, et quand il est bien chaud, on l'appuie sur la mousse une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, tant que ça fond, on appuie. Bon, je vous avoue qu'en réalité, en général, la cinquième fois, il faut le remettre à chauffer. Et on fait toute une ligne de U comme ça. Et quand on a fini, eh ben on fait une deuxième ligne en dessous, sauf qu'en fait, on la décale. On ne les fait pas les unes sous les autres, on les fait se chevaucher. Et vous allez faire ça jusqu'en bas. Et faire ça sur une jambe, c'est 2h30 de travail. Quand on va vite, quand on prend le coup de main, quand on a compris au bout de combien de fois il faut le faire réchauffer, combien de temps il faut le faire réchauffer, pour pas perdre de temps en fait. Vous faites ça pendant toute une soirée, grosso modo. Quand vous arrivez en bas, vous êtes content, sauf que vous vous dites qu'il y a encore l'autre jambe à faire, c'est super. Et une fois que c'est fait, les écailles, elles sont pas très... Il manque un truc, il y a un problème de relief au final. C'est-à-dire qu'on voit bien que vous avez enfoncé votre petit emporte-pièce, là. Il y a un problème de relief qu'on compense en prenant un fer à souder. Et à chaque fois que deux pans d'écailles se touchent, vous enfoncez votre fer à souder. Et comme ça, vous faites tous les croisements d'écailles au fer à souder pour qu'il y ait un creux. Pour que la peinture elle aille dans le creux et que ça fasse du relief. C'est à peu près un quart d'heure, 20 minutes de plus. Mais le résultat est vraiment bluffant si vous le faites. Si vous ne le faites pas, il manque un truc. Au final, vous obtenez deux pans de mousse, hein, qui font le tour de votre jambe, avec des jolies écailles dessinées de haut en bas. Vous allez coller dessus un morceau de mousse, qui est là, qui est découpé en forme de, pareil, de feuilles, hein, c'est un peu ça l'idée, en forme de feuilles. Alors j'ai vraiment essayé de suivre un petit peu ce que je voyais sur les photographies de l'armure d'Aldir, c'est-à-dire que la feuille du bas, enfin les trois feuilles d'en bas, et cette feuille-là, elles sont liées les unes aux autres. J'ai pas coupé jusqu'au bout en fait. Ça fait un seul pan, elles peuvent pas se décoller. Les seules choses qui est collée, c'est les deux feuilles du haut. Puisque quand vous regardez l'armure, on voit bien que les feuilles sont pas collées, elles sont l'une sur l'autre, elles se chevauchent, et ça crée une épaisseur. Il a donc fallu que je fasse se chevaucher les trois premières, et après le reste pouvait être vraiment collé sur la même base en fait. Et ensuite, pour ne pas que ces feuilles s'écrasent trop sur l'armure, au moment où je les ai collées, parce qu'elles sont collées sur l'armure, hein, elles sont collées sur le pan d'écaille au final, elles ne se baladent pas, sinon ça aurait fait des trucs qui volaient. Une fois que je les ai eues collées, avant de coller les dernières, j'ai glissé un rond en mousse, j'ai pris de la mousse, je l'ai courbé pour faire un rond, je l'ai un peu écrasé quand même, pour pas que ce soit trop rond, donc ça fait un ovale, et je l'ai glissé et je l'ai collé entre l'écaille et les feuilles du dessus, juste pour qu'il y ait un véritable espace
entre l'arrondi de la feuille dorée et le pan d'écaille qui est en dessous. Et ça apporte beaucoup. Ça apporte vraiment énormément. Je vais faire tourner monsieur. Voilà. Simplement, ici, je peux glisser mes doigts en dessous. Et ça fait de l'ombre, ça fait du relief. Ça donne vraiment l'impression que c'est pas une seule pièce. Et que c'est pas collé. Puisque ça dépasse, donc forcément c'est pas collé. Ça fait un petit peu trompe-l'œil, c'est assez pratique. Une fois que vous avez mis tout ça, ils sont pour l'instant indépendants. C'est-à-dire qu'il faut trouver un moyen de les accrocher à votre taille. Une ceinture. Il ne restait qu'une ceinture. C'est donc une vraie ceinture. Achetée dans ce même magasin de ceinture à 3 francs 6 sous. Hein. C'est donc une vraie ceinture avec une boucle dorée. Et elle est collée. Elle est collée à l'intérieur tout le long. Et par-dessus, j'ai mis une plaque de mousse que j'ai encore plus collée. Pour être vraiment sûr que ça finisse pas par se détacher au final. Et ma foi, en ayant pris les bonnes mesures, une fois tout ça collé, ben ça me fait une ceinture avec les deux plaques dessus. Et il me reste plus qu'à peindre tout ça. Et ça a été long et douloureux. Je vous cache pas que la peinture des écailles... Alors ça, ça va. Les bandes là, ça je vous peins ça quand vous voulez. Les écailles en bas... fatigant. Fatigant parce que vous peignez en noir avec une bombe, jusque là tout va bien, vous êtes content du résultat. Vous brossez en doré par-dessus, c'est long, et puis parfois ça va dans les creux. Mais il n'y a pas un creux à sauver, il y a plein de creux à sauver. Donc une fois que vous avez brossé en doré en essayant de faire en sorte que la couleur soit homogène, vous êtes obligé de prendre de l'encre noire, ou du noir avec beaucoup d'eau dedans, pour repasser par-dessus, pour que le noir retourne dans les creux, attendre un peu que ça sèche, et avant que ça soit complètement sec, prendre un chiffon et frotter pour que le dessus des écailles ne soit plus noir, mais doré, et que le noir reste bien dans les creux. Et bien, avant d'obtenir un rendu uniforme, j'en ai chié. Parce qu'à chaque fois que je m'arrêtais, il y avait toujours des endroits où il y avait des taches plus sombres, ou des taches plus claires, et il fallait assombrir ou éclaircir pour que le rendu soit nickel. Il y a beaucoup de surface et en plus il y a les deux côtés. Ça a été très très long avant d'obtenir le rendu final. Bien sûr, tout ça est vernis brillant. Évidemment, pour que ça reflète et accroche la lumière, vernis brillant. Et le vernis brillant, les erreurs de peinture, ça ne pardonne pas parce que le vernis fait ressortir les teintes. Ça veut dire que si vous avez raté votre teinte à un endroit de l'armure d'écaille, quand vous allez vernir, le sombre va être encore plus sombre et le clair va être encore plus clair. Et donc s'il y a des différences de teinte, ben elles ressortent 10 fois plus une fois vernis. Ça a été bien chiant. Ça a été bien chiant, mais n'empêche, c'est terminé. Et voilà mes cadavres, c'est fait. Alors certains d'entre vous objecteront que Aldir il a des cheveux longs et blonds. Je n'ai pas de perruque blonde. Si un jour j'en croise une qui fera l'affaire, je la prendrai, il n'y a pas de souci. J'ai les oreilles d'elfe pointues, ça je les ai depuis un très long moment en tiroir en me disant que ça servirait bien de ces quatre. Je verrai quand la perruque sera terminée. Ça fait bizarre que ça soit terminé, ça. Alors, ça fait bizarre parce que comme je vous l'ai dit, j'en ferai certainement pas d'autres parce que j'ai plus la place. Et que ça deviendrait débile parce que je joue pas. À part les laisser au milieu du couloir ou dans la cuisine, là pour moi c'est un peu fini. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je fais pour mon plaisir personnel, hein, puisque je vais pas spécialement en convention et même si j'allais en convention, je sais pas si je me trimballerais avec ça. Voilà, je me pose la question parfois. Alors, ce costume-là a un avantage que les autres n'ont pas. Si j'allais en convention, c'est sûrement lui que je prendrais.
j'ai pas chaud dedans. Les autres costumes, quand je les ai sur moi, le fait que ça soit de la mousse isolante, épaisse, qui forme les armures, les jambières, tout ça, je crève de chaud en dessous. Celui-là, je le porte, mais comme en 40. Honnêtement, ça ne me dérangeait pas de me balader en convention avec. Il faudrait que je fasse quelques vérifications pour être sûr qu'il se casse pas la gueule après une journée entière de déambulation, mais bon. Mais je suis presque triste de pas en refaire. J'en profite aussi pour... c'est la fin de l'année. Je suis, moi, dans une position qui est assez embarrassante. Je suis intimement persuadé que le MMO, c'est mort. Les MMO, comme on les a connus, enfin, comme je les ai connus, en tout cas, ça n'existe plus parce qu'il n'y a pas d'éditeur, ça ne rapporte pas assez d'argent. Maintenant, c'est du Battle Royale. Voilà, c'est du Battle Royale. C'est du League of Legends, mais c'est pas un MMO. C'est du free-to-play avec des microtransactions, parce que c'est ça qui rapporte, c'est ça qui fait du fric. C'est des jeux sur mobile et c'est pas vraiment mon délire. Et je pense que les MMO à l'ancienne, les MMO Dark Age of Camelot, World of Warcraft, Acheron's Call, c'est fini. Seigneur des Anneaux. C'est fini. Il n'y a plus de studio qui investira pour faire un jeu comme ça. Et il faut que j'arrête de chercher quel est le futur MMO qui va m'accueillir, puisque tout ce qui sort en ce moment, et je pense pour bien des années à venir, ce sont des pseudo-MMO qui portent ce nom sans porter la cause, on va dire ça comme ça, et qui n'abritent en leur sein rien. Mais rien, ça veut dire que les concepteurs, s'ils sont passionnés par ce qu'ils font, peut-être, je ne vais pas préjuger de leur passion, mais en tout cas, la personne qui décide ce qui est le rendu final du jeu, peu importe le studio et peu importe le jeu, elle en a rien à faire. Ce qu'il faut, c'est faire rentrer de l'argent. Et la passion, ça ne fait pas rentrer de l'argent. Écrire un background et s'y tenir, ça ne fait pas rentrer de l'argent. Faire des extensions qui mettent un an à sortir et qui sont super travaillées et qui apportent des tonnes de contenu, ça ne fait pas d'argent. Et comme ça ne fait pas d'argent, eh ben, il n'y en aura plus. Et ayant compris ça, il reste plus grand-chose à quoi s'intéresser. League of Legends a subi un tournant curieux depuis la 8.24, la mise à jour 8.24. Très curieux. J'aimais beaucoup faire des ARAM avant. Depuis une semaine et demie, voire deux semaines, les ARAM ont changé de gueule. Mais voilà, le patch est arrivé et c'est devenu la course au lance-merde. C'est l'équipe qui a le plus de lance-merde. Alors c'est quoi un lance-merde? Un lance-merde, c'est un champion qui lance des sorts depuis très loin. Donc on ne peut pas le toucher, il est très loin le gars. Et les sorts font très mal. C'est Xerath, c'est Vel'Koz, c'est Lux, Nidalee, Zilean. Voilà. Et il fut une époque où une équipe composée de lance-merde, elle se faisait rouler dessus par des tanks. Parce qu'ils allaient les chercher sous la tour. Depuis ce patch, ça n'existe plus. C'est-à-dire que les tanks se font déboîter, les ADC, j'en parle même pas. Les supports lance-merde s'en sortent bien. Hein. Karma, Morgana, voilà, Zyra. Les lance-merde mid-laner s'en sortent extrêmement bien, mais du coup, quand vous tombez en face d'une team où il y a Xerath et Ziggs, vous avez un peu perdu. Même Garen commence à plus être une exception. Du coup, toutes les petites parties d'ARAM que je faisais, je vais vous dire honnêtement, je vais essayer. Je vais continuer les paris, mais je sais plus si je suis en état de faire le jeu, c'est-à-dire de savoir qui va gagner à l'avance. Il suffit que je compte les lance-merde, hein. Mais voilà, enfin, je vais essayer, on va voir ce que ça donne, si même moi ça ne me convainc pas, je passerai à autre chose. Je sais pas quoi, mais je passerai à autre chose.
Je me suis acheté Overwatch, je sais pas encore, j'ai pas envie d'y jouer tout seul. Je vais y jouer en groupe, donc on verra bien ce que ça donne. Et je me suis mis à Path of Exile, qui est un bon jeu, qui est un très bon jeu. Et il a un avantage que les autres n'ont pas, c'est que l'équipe de développeurs derrière est honnête. Alors, ils ne sont pas encore corrompus, je ne sais pas comment ça se fait, ça va peut-être bientôt venir, mais ils n'essayent pas de vous vendre ce qu'ils ne font pas. Ils n'essayent pas de vous tromper sur la marchandise. Leur jeu est gratuit, il y a des microtransactions qui sont toutes cosmétiques. Il n'y en a pas une qui n'est pas cosmétique. Ils s'en foutent un peu de leurs microtransactions, ils ne mettent pas vraiment en avant, ils sont pas sans cesse en train de vous dire hey, t'as vu, ce qui est plutôt sympa. Il y a une mise à jour à faire et je m'en fous. Le jeu, il y a vraiment une mise à jour à faire. Le jeu, c'est du grind pur et dur, c'est du Diablo 2, c'est l'héritier de Diablo 2. Il est là, on fait des cartes, on loot des objets, on améliore son stuff et son arbre de talent. Il y a une histoire qui est très sympa, mais on peut passer outre. Mais elle est sympa et elle se tient jusqu'à la fin. Et tout ce qui arrive dans le jeu est expliqué d'une façon ou d'une autre et se trouve là de manière logique. Et c'est un sacré challenge de faire d'un jeu de pur grind, où on parcourt des cartes en tuant des millions de mobs, de trouver une explication plausible à tout ça. Et ils l'ont trouvé. Vous verrez ce que c'est que l'appareil de cartographie. Mais voilà, je trouve que c'était une façon très sympa d'amener le fait qu'on allait se balader dans plein de maps différentes pour tuer des gens. Donc je suis sur Path of Exile, qui est un jeu difficile, qui est un jeu exigeant, qui est un jeu qui ne vous prend pas par la main. C'est-à-dire que vous pouvez faire des bêtises en montant votre perso, et quand vous faites ces bêtises, votre perso, il est un peu bon à jeter à la poubelle. Il est punitif, ce jeu. Quand vous mourrez, vous perdez de l'XP. Et en fait, ça fait longtemps qu'un éditeur n'a pas fait un jeu où le joueur n'est pas caressé dans le sens du poil toutes les 5 minutes. Tous les autres jeux, vous avez votre petite dose de bonheur toutes les heures pour être sûr que vous reveniez la chercher tous les jours. Path of Exile, il y a des moments où j'arrête d'y jouer pendant 2-3 jours parce qu'il m'a énervé, parce qu'il est compliqué. Et d'une certaine façon, j'aime bien qu'on me fasse mal. Finalement, entre nous. C'est un peu ce qu'a perdu notre ami Funcom avec Secret World. Secret World Legend est toujours aussi vide. Les mises à jour, on s'en fout en fait. C'est du contenu à 2 balles. Il faudrait que je fasse une vidéo sur ce jeu-là parce que il y a beaucoup à dire et beaucoup à rigoler dessus. Mais globalement, voilà ce qui reste des mondes du MMO. Tous les MMO d'avant, qui passent sont gratuits. On peut y aller. On peut profiter d'un contenu qui a été créé à une autre époque, une époque où c'était payant. Et c'est des contenus généralement de qualité. Et une fois qu'on a épuisé les contenus de qualité, eh ben on peut désinstaller le jeu parce qu'il n'y aura plus rien. C'est ce qui arrive au Seigneur des Anneaux. Quelqu'un qui ne connaîtrait pas le jeu et qui débarque dans le monde du Seigneur des Anneaux, dans le trou, il a des milliers de trucs à faire, ça va être une aventure fantastique, jusqu'à la fin, et à la fin, il n'y a plus rien, et il n'y aura jamais plus rien. Secret World Legend, c'est exactement ça. Tout ce qui a été écrit avant, c'est génial, et tout ce qui est sorti depuis qu'il est gratuit, c'est de la merde. Bah écoutez, on fait avec, hein, on fait avec. Enfin, plutôt, on fait sans. Allez les cadavres, bonne année à vous. Je vous souhaite pas joyeux Noël parce que c'est déjà passé. Rendez-vous certainement en 2019 parce que je ne me vois pas trop faire une vidéo d'ici le 1er janvier. Ciao!